Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp. Aujourd'hui, deuxième partie, deuxième concours des 10 ans du site, puisque oui, locan.jp, locan.fr à l'époque a 10 ans depuis dimanche dernier, en fait, depuis le 7 janvier. Hier, je vous proposais de gagner 15 licences pour une application de scanner qui s'appelle ScanBot Pro, qui est une application absolument fabuleuse sur iPhone et qui me sert depuis des années pour numériser des factures, des bulletins de paye, des tickets de caisse, tout ce qu'il peut y avoir à numériser en multipage ou en simple page pour les partager, les synchroniser avec iCloud Drive, etc. Bref, le concours est terminé et les personnes qui ont gagné vont être contactées dans la soirée. Aujourd'hui et jusqu'à après-demain, ce concours dure 48 heures, vous allez pouvoir gagner une coque, enfin un kit complet Quadlock. Quadlock, c'est ce système de coque là que j'utilise sur l'iPhone 10 actuellement, que j'utilisais sur le 7 Plus, que j'utilisais sur le 6S, que j'utilisais sur le 6 tout court, etc. Et depuis le 5S. Le premier téléphone sur lequel j'ai eu des coques Quadlock, c'était le 5S, ouais. Et c'est un système de fixation qui est absolument fabuleux. Alors, Quadlock, pourquoi ? Parce que ça lock, parce que ça va vous permettre de verrouiller votre téléphone à des endroits. Et Quad, parce que c'est un système de fixation à 4 pattes. Vous les voyez ici sur la vidéo, il y a en diagonale, clac, clac, sur les 45 et les 45 degrés. Quadlock, c'est le... juste ma coque préférée en fait. J'ai testé des coques piles. Les coques piles, c'est des coques très fines. C'est cool, c'est sexy. Ça permet d'avoir une protection sur son téléphone sans trop l'enlaidir ou le rendre trop gros. Mais ça le protège pas trop. J'ai testé des skins. J'ai vraiment du mal avec les skins, très honnêtement. C'est cool aussi, pareil, ça fait un truc sexy, mais je sais pas. Le téléphone glisse dedans. J'ai tendance à avoir les mains un petit peu moites et du coup ça se barre. Et je suis à chaque fois et toujours revenu sur des coques Quadlock parce que c'est juste trop bien. Alors la coque en elle-même, c'est une coque de protection, elle va vous permettre de... moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle revient, il y a une petite lèvre qui revient sur le devant de l'écran et du coup vous pouvez mettre votre téléphone, le verre en bas sur une table, etc. Il y a moins 2 mm sûrement, qui vous permettent de protéger votre téléphone. Ce que j'aime beaucoup sur l'iPhone 10, c'est que le tour de la coque affleure vraiment les deux caméras, et ce que j'aime encore plus, au-delà de l'ajustement par rapport à la caméra, c'est le fait que la caméra soit légèrement à l'intérieur. Elle n'affleure pas, elle est légèrement à l'intérieur de la coque. Ça vous donne aussi une idée sur l'épaisseur de la coque, hein. Elle est légèrement à l'intérieur de la coque et de fait, votre téléphone est parfaitement protégé. Alors peu importe ce que vous faites, alors il y a des coques life-proof qui sont par exemple des coques résistantes prévues pour aller être étanches, machin, tout ça. Mais peu importe ce que vous faites, votre iPhone est réellement très bien protégé contre les chocs parce que par définition, la coque protège tout le tour du téléphone. Et ils n'ont jamais fait une coque aussi bien que celle-là. Alors c'est toujours les mêmes coques, hein, mais sur l'iPhone 10, pour l'iPhone 10, elle est absolument parfaite. Elle est parfaitement ajustée, elle est juste géniale. Jusqu'à maintenant, j'avais un proto, là ils m'ont envoyé la coque finale, et qui est excessivement bien ajustée, qui verrouille bien le téléphone de partout, qui ne bouge pas. Il y a une sensation de solidité grâce à cette coque, et c'est juste génial. Bref, pour vous montrer le principe, ici j'ai un trépied et j'ai un support Quadlock qui existe. C'est un support pour trépied, donc il y a une vis en bas et en haut c'est tout simplement une patte Quadlock. Vous venez enquiller ça sur votre iPhone, clac, et vous verrouillez votre téléphone de cette manière-là. Et là, vous pouvez y aller, ça ne bouge pas. Votre téléphone est verrouillé sur le support et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez vous en servir comme trépied pour faire des photos, des timelapses, etc. Vous avez votre iPhone sur un trépied, tout simplement. Pas de trucs dégueulasses à venir clipser dessus qui marche mal ou vous vous dites « Oh mon Dieu, est-ce que ça va tomber ?» Ça marche. Il y a une chier de supports qui existe chez Quadlock. Il y a des supports muraux. Moi, j'en ai par exemple à la cuisine. Clac, et je viens verrouiller mon téléphone sur le meuble de la cuisine quand je suis une recette. J'en ai un dans la salle de bain. Clac, clac, et je viens verrouiller mon téléphone dans la douche pour écouter de la musique pendant que je me douche. J'en ai un aux chiottes pour poser le téléphone sur le mur des chiottes quand je vais aux chiottes faire ce qu'on fait quand on va aux chiottes. Il existe également des brassards. Alors moi je cours pas donc je n'en utilise pas, mais il existe un brassard sur lequel vous allez venir clipser votre téléphone. Il existe des trucs pour ceinture, très moche, mais ça existe. Et surtout, ce qui va être utile, ce qui m'est utile et ce qui va vous être utile aussi, puisque c'est ce que vous allez gagner aujourd'hui, une coque, un support pour voiture. Donc vous avez juste la ventouse et du fait de la fixation, rendez-vous compte, c'est exactement comme si le téléphone flottait sur le pare-brise. Moi je suis juste trop fan juste du support pour voiture en fait. Il existe également des supports pour vélo, donc pour venir fixer sur la potence, vous allez en gagner un aussi. Et donc du coup le brassard. Donc aujourd'hui vous pouvez gagner 4 trucs. Il n'y a qu'un gagnant. Vous allez gagner une coque,
peu importe le téléphone que vous avez, vous gagnez la coque, vous choisirez au moment, le gagnant choisira la coque qu'il veut, une coque, un brassard, un support pour vélo, un support pour voiture. Idem, il y a deux supports pour vélo, il y a le out front mount qui se monte devant, c'est mon préféré, et il y en a un autre qui se monte juste sur la potence du vélo, vous choisissez également celui que vous voulez. Donc, coque pour votre téléphone, le support pour vélo, le support pour voiture et le brassard. Ça vous fait un super petit lot pour débuter avec du quadlock. Si vous ne connaissez pas vraiment, c'est top. Et ensuite, ben, les supports muraux, etc. Si vous voulez d'autres trucs en plus, vous pouvez les prendre par la suite. Comme pour le concours de hier, comment ça se passe pour le concours d'aujourd'hui? Vous publiez, vous partagez le lien de cet article sur Facebook ou sur Twitter et vous venez recoller avec un petit mot évidemment et vous venez coller le lien de votre partage, le lien direct vers votre partage public évidemment dans les commentaires de ce site. C'est aussi simple que ça. Peut-être qu'il y aura un deuxième concours sur Instagram, je ne suis pas sûr du tout, j'aurais bien aimé mais je ne sais pas trop vraiment comment l'organiser. À voir. Dans tous les cas, Facebook, Twitter et potentiellement un partage en plus sur Instagram, mais je vous l'écrirai ensuite dans l'article ici, en dessous de cette vidéo. Le concours, nous sommes le 9. Le concours se termine le 11 à 20h, si je ne vous dis pas de bêtises. Je vérifie histoire de ne pas dire de conneries. Absolument, le 11 à 20h, ce concours se termine. Vous avez donc 48 heures pour poster les commentaires sur cet article. Et puis voilà, je vous souhaite bonne chance à tous, kiffez bien, et à jeudi 20h. Ciao, ciao.